Sehr geehrte Festversammlung, Exzellenzen, liebe Bürgerinnen und Bürger der Partnerstädte, Mesdames et Messieurs les citoyens des villes jumelles d'Aix-la-Chapelle et de Reims, chères étudiantes, chers étudiants, chers élèves, Monsieur le Président de la République française, cher Emmanuel, Mesdames, Messieurs. Nous présentons donc ce livre qui s'appelle Le carcan de l'euro. Le titre en italien c'était La gabbia dell'euro, c'est-à-dire la cage de l'euro. J'ai demandé à Annie Lacroix-Rise l'autorisation d'utiliser le terme de carcan, puisqu'elle est l'auteur d'un livre important qui s'appelle Aux origines du carcan européen. Et je trouvais ça intéressant de continuer sur ce thème, hein, puisque carcan ou cage, ça revient un petit peu au même. D'ailleurs, on commence à s'en rendre compte de plus en plus. Et donc voilà pourquoi il s'appelle Le carcan de l'euro. C'est le troisième livre de Domenico Moro, paru en France et paru aux éditions Delga. Le premier était un résumé du capital appliqué à l'époque contemporaine, concernant d'ailleurs, c'est important de le dire, les trois livres, hein, du capital, enfin pas le quatrième, hein, pas les théories sur le capital, mais les trois livres, ce qui est important. Alors que plusieurs des résumés sont sur le premier livre. Et vous avez aussi le club Bilderberg, le groupe Bilderberg, une étude, je précise, rationaliste, hein, du club Bilderberg, pas conspirationniste, marxisante, hein, du marxiste du club Bilderberg. Et aujourd'hui, donc, cette question qui nous touche beaucoup, c'est-à-dire la question de la souveraineté monétaire, et plutôt la dépossession de notre souveraineté monétaire, Domenico Moro va, je pense, nous apporter des lumières à la fois pour notre pays, et puis d'un point de vue aussi italien, c'est très intéressant, puisque cette situation a pris une acuité forte ces derniers temps. Donc je passe tout de suite la parole à François Potier, pour voir un peu comment il va organiser cette séance à partir de certaines questions, et permettre à Domenico Moro de rebondir dessus. Merci. Bonjour, donc il s'agit bien de ce livre, Le carcan de l'euro. Et avant de passer la parole donc à notre invité, je voudrais vous dire, j'ai été enthousiasmé en lisant ce livre, car c'est la première fois qu'il y a une analyse marxiste sur l'aspect de l'euro, l'Union européenne et éventuellement l'OTAN. Et pour la première fois, on permet de sortir de la problématique populiste des uns, l'Europe de l'autre, nationaliste, voire complotiste des uns, etc. Là, il y a une analyse extrêmement dense, c'est un petit livre, mais je peux vous dire, pour l'avoir lu et relu, et en essayant de faire des petits schémas, j'en parlerai tout à l'heure éventuellement, pour essayer de comprendre la substantifique moelle, comme on dit, eh bien, c'est d'une densité et d'une extrême précision. Et je le trouve parfait comme complément du premier livre qui a été dit avant le groupe Bilderberg, le dernier chapitre du livre sur le marxiste au XXIe siècle, dans l'aspect globalisation. Et là, on a, je dirais, l'instanciation, enfin, la réalisation, la construction dans cette zone de l'Europe. Donc c'est extrêmement intéressant. Et le sous-titre « Pourquoi en sortir du carcan de l'euro, l'Union européenne, est internationaliste et de gauche ?» C'est limpide, et je trouve que ça permet de réprimer tout ce qu'on entend sur les médias et les débats. Là, il y a un livre extrêmement clair. Je pense que le mieux, ce serait que vous exposiez les thèses. D'accord, on se rend en question après. Là. Et puis après, en fonction des thèses, si vous ne me parlez pas de certaines de thèses que j'ai lues, je dirais... Et ça. Et puis, éventuellement, on fera des synthèses, puis j'aurai trois questions à la fin à vous poser. Merci. Avant le débat. Merci. Innanzitutto iniziamo dicendo che in Italia l'europeismo è sempre stato molto diffuso. Il faut commencer à partir qu'en Italie, l'européisme a toujours été très répandu. Mentre dalla fine della seconda guerra mondiale il nazionalismo è sempre stato molto debole. Tandis que depuis la fin della seconda guerra mondiale il nazionalismo ha toujours été très faible. Sia a causa del fascismo che aveva estremizzato il nazionalismo e l'idea di nazione. En partie à cause du fascisme qui avait extrémisé la question du nationalisme. Sia perché l'Italia ha perso la guerra molto male. Mais aussi parce que l'Italie avait perdu la guerre de façon radicale. Quindi possiamo dire che l'integrazione europea si è affermata all'interno di un contesto culturale favorevole.
On peut dire donc que l'intégration européenne a eu lieu dans un contexte plutôt favorable, culturel favorable. Qual è il fine dell'integrazione europea, soprattutto l'integrazione monetaria? Quel est le but de l'intégration européenne, surtout l'intégration monétaire? È modificare i rapporti di forza fra le classi sociali per come si erano definiti dopo la Seconda Guerra Mondiale nel periodo degli anni 60 e 70. C'est de changer le rapport de force entre les classes sociales pour disons le renforcer de la façon dont il avait été défini dans les années 60-70. In Italia negli anni 60 e anche negli anni 70 fino all'inizio degli anni 80 c'è stato un movimento operaio e di rivendicazione sociale molto forte. In Italia, depuis les années 60-70 e même jusqu'aux années 80, il y avait un mouvement ouvrier qui a toujours été fort. E il partito comunista più importante dell'Occidente. E il partito comunista più importante dell'Occidente. Per questa ragione i neoliberisti italiani hanno molto puntato sul vincolo esterno. C'est pour ça que les néolibéraux italiens ont toujours misé sur le lien extérieur, sur leur liaison avec l'extérieur. Grazie ai vincoli esterni, cioè ai vincoli posti dall'Europa e dall'euro, si sarebbe potuto porre un limite alle rivendicazioni delle classi subalterne. Donc grâce aux liens qu'ils avaient pu obtenir avec l'étranger, on aurait pu mettre un frein aux revendications des classes subalternes. Come è avvenuto questo? Comment c'est advenu? È avvenuto attraverso la modificazione dello Stato. Ça s'est fait par la modification de l'État. In pratica il ruolo del Parlamento è stato indebolito, mentre è stato rafforzato il ruolo del governo. En fait, le rôle du Parlement a été affaibli, tandis que se renforçait le rôle du gouvernement. Attraverso, per esempio, delle leggi elettorali maggioritarie. À travers notamment des lois électorales majoritaires. Ma il centro, il nocciolo dell'attacco alle posizioni delle classi lavoratrici è stato l'Europa. Ma il cuore dell'attacco contro le classi travailleuse ha été l'Europa. Delegare, alienare alcune funzioni dello Stato riguardanti il bilancio pubblico e la moneta hanno consentito di aggirare il Parlamento e il movimento operaio. Aggirare il movimento? Aggirare alcune funzioni dello Stato, quali il bilancio pubblico, la moneta e delegarle alle autorità europee, ha consentito di aggirare il Parlamento e le classi lavoratrici. D'accord. En fait, il s'agissait de déléguer un certain nombre de fonctions de l'État à l'Europe, notamment sur le bilan public, enfin sur le bilan public, c'est-à-dire le budget en fait, ont permis en fait de fragiliser les classes travailleuses. In sostanza è stata ristretta e limitata la sovranità popolare e democratica. Donc en fait, la souveraineté populaire et démocratique a été limitée. Che cos'è la sovranità? La sovranità è la capacità di incidere sulle politiche economiche, sociali e estere di uno Stato. C'est la capacité, la souveraineté populaire, c'est la capacité de peser sur les politiques économiques, monétaires d'un État. Quindi delegare, alienare alcune funzioni dello Stato agli organismi europei è servito ad indebolire la sovranità democratica e popolare. Donc le fait de déléguer un certain nombre de fonctions de l'État, fonctions économiques et budgétaires à l'Europe, a permis de fragiliser en fait les forces populaires. In pratica si è affermata la cosiddetta governabilità. En fait on a affirmé la dite gouvernance. Cioè il rafforzamento del potere del governo, dei governi europei. C'était le renforcement des gouvernements européens. Infatti l'Europa, la UE e l'euro sono degli organismi intergovernativi. En fait l'UE e l'euro sono des organismi intergouvernementaux. Infatti il ruolo principale è svolto dal Consiglio dei capi di governo e di Stato. En fait, le rôle principal est joué par le rôle des conseils des gouvernements, enfin, le conseil de l'Europe. Oltre che ovviamente dalla Commissione Europea e dalla Banca Centrale Europea. Conseil de l'Europe, Commission Européenne et la Banque Centrale.
Ma c'è un'altra questione molto importante legata all'euro e all'austerity europea. Ma c'è un'altra questione molto importante che è legata all'euro e all'austerità europea. L'euro e l'Europa sono legati alla rinascita, paradossalmente, del nazionalismo e dell'imperialismo nazionale. En fait, l'Europe est liée à l'UE, sont liées paradoxalement au renouveau du nationalisme et de la question impérialiste, si je me rappelle. Infatti, l'euro permette di controllare i bilanci e di imporre l'austerity. En fait, l'euro permet de contrôler les budgets et d'imposer l'austérité. In questo modo il mercato interno si riduce. De cette façon, le marché interne se réduit. E la tendenza espansionistica all'estero delle grandi imprese e anche delle piccole e medie imprese aumenta. E la tendenza espansionista delle grandi e même des petites entreprises à l'étranger augmente. Questo porta a un aumento della concorrenza tra le imprese, ma anche a un aumento della conflittualità tra gli stati che rappresentano queste imprese. En fait, ça crée une concurrence entre les entreprises, mais aussi entre les États qui représentent ces entreprises. Questa è una tabella che verrà pubblicata sul prossimo rapporto annuale dell'Istat, l'Istituto Nazionale di Statistica. Alors ça, ce sera publié bientôt sur le rapport de l'Istat, l'Institut National de Statistique. E si confronta l'andamento delle filiali all'estero delle multinazionali europee con l'andamento delle imprese all'interno. On confronte en fait le bilan des entreprises au niveau européen de ces entreprises avec leur potentialité, leur bilan interne au national. Le filiali all'estero hanno un fatturato e addetti che crescono in modo almeno doppio rispetto a quello che fanno le imprese che stanno all'interno. En fait, le risultat des filiales à l'étranger sont presque le double du résultat qu'elles font sur le marché intérieur. La Francia aumenta il fatturato del 6% medio annuo all'estero. Okay. 6%. 5,9. Ah oui, la France augmente de 6% par rapport à ses filiales à l'étranger. All'interno 1,7. E 1,7 all'interno. Questo per il fatturato. Per il bilan. Gli addetti aumentano il 2,7% all'anno. Oui, all'estero. I profit 2,7% all'étranger. E diminuiscono dello 0,6% all'interno. E meno 0,6%. En France. La Francia ha l'incidenza maggiore del fatturato e degli addetti all'estero su quelli interni tra i paesi più importanti d'Europa. C'est la France qui a le plus fort taux justement de cette disproportion entre l'étranger et l'interno. Il fatturato delle multinazionali francesi all'estero è il 36,8% del fatturato delle imprese francesi all'interno. 36? Ah, oui. Fatturato 36,8%. D'accord, c'est sull'interno. Ah oui, c'est 36%. Il fatturato che loro fanno all'esterno è il 36% di quello che fanno all'interno. Le chiffre d'affaires qu'ils font à l'extérieur représente 36,8% de ce qu'ils font en interne. Voilà. L'Italia, il fatturato delle imprese italiane all'estero, è solo il 16%. Pour l'Italie, c'est seulement 16%. Quindi la metà. Juste la moitié. Gli addetti, l'Italia ha un'incidenza dell'11,4%. Donc pour les profits de 11,4%. Gli addetti. Voilà. E la Francia, 36,7%. Et 36,7%, quasiment la même chose pour la France à l'étranger. Quindi gli addetti delle multinazionali francesi all'estero rappresentano oltre un terzo di tutti gli addetti delle imprese in Francia. Ed è la quota più grande che c'è in Europa. Donc ça représente presque plus du tiers de la France et donc c'est le taux le plus fort en Europe. Diciamo che la Francia è probabilmente il paese che ha più risentito delle politiche dell'euro.
c'est la France qui a sans doute le plus ressenti, enfin qui a souffert des politiques de l'euro. Anche l'Italia e altri paesi hanno molto risentito di queste politiche. Même si l'Italie et d'autres pays aussi. Però l'Italia ha ristrutturato pesantemente il proprio sistema delle imprese, ha ristrutturato, riorganizzato. Ma l'Italia ha ristrutturato e riorganizzato il suo sistema d'entreprise. Orientandolo alle esportazioni. En l'orientant vers les exportations. Come la Germania. Comme l'Allemagne. Adottando quindi un modello neomercantilista. En adottant donc un modèle néo-mercantiliste. Secondo il quale lo sviluppo è legato sostanzialmente alle esportazioni. Selon lequel le développement est lié substantiellement à l'exportation. La Francia ha ancora oggi un deficit commerciale importante. La France a encore un déficit commercial très important. Mentre l'Italia da 5-6 anni ha un surplus commerciale sempre più grande. Alors que depuis 5 ou 6 ans l'Italie a un surplus commercial de plus en plus grand. Nel 2017 il surplus commerciale dell'Italia era di 52 miliardi, mentre il surplus commerciale del Giappone era di 26 miliardi, la metà. Alors en 2017 le surplus commercial de qu'on appelle ça le rapport import export oui, était la, balance, la balance des paiements la balance extérieure l'extérieur oui, des produits extérieurs était de 50 milliards en Italie alors qu'il était de 25 milliards donc le moitié au Japon. Ovviamente questo è stato ottenuto con un attacco molto forte ai lavoratori attraverso l'espulsione di centinaia di migliaia di operai e impiegati dal processo produttivo. En fait, ça a été obtenu grâce à une violence terrible contre les travailleurs, l'expulsion de centaines de milliers de travailleurs du processus productif. Quindi le contraddizioni all'interno dei vari paesi aumentano, aumenta la povertà, aumentano le distanze tra ricchi e poveri. Donc les contradictions augmentent entre les entreprises, entre les différents pays, entre les riches et les pauvres. Ma aumenta anche questa spinta verso l'estero, questa tendenza a conquistare basi commerciali all'estero. Ma aumenta aussi la tendenza a conquistare des basi all'estero. Questo vale anche per dei marchi. Les marchés à l'étranger. Questo vale anche per le materie prime. E ça vaut aussi pour les matières premières. Ed è questa la ragione per cui Sarkozy organizzò l'attacco contro la Libia. E c'est pour ça que Sarkozy a organisé l'attaque contre la Libye. L'attacco contro la Libia non era diretto soltanto contro Gheddafi. C'était pas dirigé simplement contre Gheddafi. Ma contro le posizioni delle imprese italiane in Libia. Mais aussi contre les positions des entreprises italiennes en Libye. Perché la Libia era di fatto una sorta di protettorato italiano. Parce que la Libye était de fait une sorte de protectorat italien. Del resto, tra Italia e Francia c'è dal 1880 uno scontro per controllare il Nord Africa. C'est vrai qu'il y a toujours eu entre la France et l'Italie une guerre pour contrôler depuis 1880 l'Afrique du Nord. In particolare riguardo alla Tunisia, concerne la Tunisia notamment. Più di recente negli anni 90, Craxi e Andreotti per l'Italia organizzarono un colpo di Stato per mettere un loro uomo al governo della Tunisia ed espellere i francesi. E donc Craxi e Andreotti dans les années 90 ont organisé une sorte de coup d'état pour expulser les Français et mettre de leurs hommes liges au gouvernement. In questo contesto di rinascita dello scontro tra nazioni è paradossale che qualcuno continui a parlare di solidarietà europea. C'est drôle que dans ce contexte de renaissance du nationalisme, on continue de parler de solidarité européenne. Stiamo invece assistendo a una ridefinizione dei rapporti di forza fra stati nazionali in Europa. On assiste en fait à une redéfinition des rapports de force entre États nationaux en Europe. Un esempio è il trattato di Aquisgrana. Un exemple, c'est le traité d'Aix-la-Chapelle. Il trattato di Aquisgrana è uno scambio politico tra la Francia e la Germania. C'est un échange politique entre la France et l'Allemagne. La Francia aiuterà la Germania a conquistare un posto
al Consiglio permanente delle Nazioni Unite. La France aiderà l'Allemagne a avoir un poste au Conseil de sécurité de l'ONU. E la Germania continuerà a sostenere la Francia sia in Europa sia in Africa. E l'Allemagne continuerà a soutenir la France autant en Europe qu'en Afrique. C'è un passaggio del trattato in particolare dove si dice che Francia e Germania si impegnano ad operazioni di peacekeeping e peace enforcement in Africa. Il y a un passage du traité qui dit que la France et l'Allemagne s'engagent à organiser des mesures de, comment dire en anglais, peace, d'organisation de la paix ou de sauvegarde de la paix. Voilà. Opérations militaires. Les opérations, en fait, ça veut dire opérations de militaires, opérations de guerre en Afrique. In Africa. Maintien in de l'ordre. In, en Afrique. Oui, maintien, de l'ordre. Maintien de l'ordre et de la, enfin. Et de l'ordre et de la paix. Ouais. Par la voie. Des armes. Par une voie décisive, c'est la voie des armes. Un altro aspetto molto importante di questa rinascita dello Stato nazionale è il manifesto per una politica industriale che è stato firmato da Francia e Germania un paio di settimane fa. Un altro esempio del rinnovo del nazionalismo è il manifesto per un manifesto per un manifesto per una politica industriale europea. Manifesto per una politica industriale europea che è stato firmato tra la Francia e l'Allemagne. L'obiettivo è costruire campioni industriali europei. L'obiettivo è di costruire dei campioni industriali europei. Oh, oui. Ma c'è anche un altro obiettivo implicito, nascosto. Ma c'è anche un altro obiettivo implicito, caché. Che questi campioni europei siano a controllo francese o tedesco o franco-tedesco. Mais c'est que ce soit contrôlé par la le but c'est que ces champions soient contrôlés autant par les Français les Allemands enfin et en même temps. Un'altra questione importante è che questo manifesto. L'autre question importante c'est que ce manifeste affirma il ruolo dello Stato-nazione. Affirme le rôle de l'État-nation. Infatti questo manifesto prevede che a impugnare le decisioni, a contestare, a mettere in discussione le decisioni dell'autority europea antitrust, non sia più soltanto la Corte europea, ma anche i singoli stati nazionali. Ah oui, ce serait plus la Cour européenne qui mettrait en œuvre les lois antitrust, mais aussi les différents pays nationaux. In questo modo la Francia e la Germania possono fare ricorso, ad esempio, sulle decisioni dell'antitrust che hanno bloccato la fusione tra Alstom e Siemens per quanto riguarda il settore ferroviario. Oui, dans le secteur ferroviario, la fusion Alstom-Siemens, che ha été donc bloquée par la loi antitrust, désormais, les États nationaux comme la France et l'Allemagne pourraient faire pression contre. Per concludere, le polemiche tra il governo italiano Di Maio, Salvini da una parte e Macron non sono polemiche personalistiche, ma nascondono uno scontro interstatale e interimperialistico che sta venendo fuori proprio grazie all'Europa. Oui, en fait, les conflits entre Di Maio, Salvini d'un côté et Macron de l'autre n'ont rien de conflit personnel, mais ils cachent en fait des rivalités nationales qui sont attisées par ce contexte européen. Quindi, concludendo, l'Europa, la UE e l'integrazione monetaria hanno un duplice effetto. Mettono fuori combattimento le classi subalterne e riaccendono il nazionalismo e il conflitto interimperialista. Donc l'UE et l'euro ont pour but deux conséquences en fait. Elles affaiblissent les classes subalternes et l'intro. Oui. Et oui, elles augmentent le nationalisme en Europe. E l'imperialismo. Qual è il rapporto tra il cosmopolitismo, l'internazionalismo del capitale, l'europeismo e questo rinascente nazionalismo? Quel rapporto tra questo cosmopolitismo, internazionalismo del capitale e questa renaissance nazionalista? C'è un legame, il legame è appunto l'interesse del capitale. Il y a un lien, e ce lien c'est justement l'intérêt du capitale. Perché? Perché lo Stato fa gli interessi del capitale e
delegare alcune funzioni è utile al capitale per tenere sotto controllo la classe lavoratrice, ma altre funzioni. L'État a besoin donc du capital le capitalisme est content que l'État délègue certaines fonctions en fait pour la classe ouvrière. Alcune funzioni vengono delegate. Certaines fonctions sont déléguées. Perché sono quelle funzioni che permettono di contrastare la classe lavoratrice. Parce que ce sont les fonctions qui permettent de s'opposer à la classe travailleuse. Altre funzioni vengono tenute all'interno. Mais d'autres fonctions sont bien gardées. Perché sono quelle funzioni che permettono allo Stato di difendere il suo capitale, le sue imprese. Parce que ce sont ces fonctions qui permettent au capital de défendre ses propres entreprises. La conseguenza è che c'è una dialettica all'interno delle classi dominanti tra una tendenza internazionalistica cosmopolita e una tendenza protezionistica nazionalista. Donc il y a donc une contradiction interne au sein des classes dirigeantes entre une tendance internationaliste et une tendance protectionniste. Il capitale non sposa, non assume completamente nell'una né nell'altra, ma oscilla tra le due. Le capitalisme n'épouse pas vraiment l'une position ou l'autre, mais oscille entre les deux. A seconda delle condizioni. En fonction des conditions. E dei suoi interessi. Et de ses intérêts. Per cui nei prossimi anni vedremo la compresenza tra aspetti, diciamo così, internazionali, internazionalistici del capitale e aspetti nazionalistici. De toute façon, dans les prochaines années, on verra un mélange en fait de ces aspects internationaux du capital et nationaux en fait, protectionnistes. È chiaro però che le contraddizioni, specie di fronte a una crisi grave come quella del 2009, rischiano di esplodere. Mais c'est sûr que les confrontations dans un contexte aussi grave que celle de la crise de 2009 rischio di esplosare. E a quel punto l'Europa, anche economica, rischierebbe di disintegrarsi. E l'Europa a ce punto rischierebbe di se disintegrare. A quel punto però la gestione della fine dell'Europa sarebbe nelle mani dei singoli capitali nazionali. E allora la gestione della fine dell'Europa se retrouverait dans les mains des différents capitalistes nationaux. Invece sarebbe opportuno cominciare sin da oggi a elaborare una strategia per il superamento dell'euro e della UE a livello europeo. Alors qu'il serait important d'immaginare una strategia di dépassement de l'UE e dell'euro a livello europeo. All'interno appunto di una ipotesi di superamento del capitalismo e di costruzione di una società e di un assetto diverso. Bien sûr, d'un point de vue donc de dépassement du capitalisme et de construction d'une société différente. Grazie dell'attenzione. Merci. Oui, allô. Ben voilà, les questions. Avant de poser mes trois questions, justement, et en particulier sur ce qui vient d'être dit à la fin, je voudrais repréciser dans ce qui était passé, certains points que M. Domenico Moro a explicité et qui sont extrêmement détaillés, finement, dans le bouquin. Vous avez bien compris au début, et je parle sous votre contrôle, donc tu vas me traduire pour vérifier. Non, parce que ça va être trop long. Donc bon, vas-y, alors, je traduis les questions. Donc, non, mais avant les questions, vous avez bien montré que le capitalisme globalisé, effectivement, dans sa phase globalisée, n'a plus besoin du nationalisme tel qu'il était avant-guerre, et donc l'a laissé tomber aux oubliettes, et l'a transformé avec une autre idéologie qui s'appelle le cosmopolitisme. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous l'avez expliqué parfaitement, la différence entre le cosmopolitisme de la bourgeoisie. Je ne vais pas citer les phrases, mais qui sont très claires en disant « c'est indépendant des nations et un caractère individualisé », avec l'internationalisme qui est centré sur le combat des classes ouvrières à l'intérieur des nations et de faire une internationalisme. Et vous expliquez, ça par contre, je ne peux pas m'empêcher de citer cette phrase qui résume votre pensée, « le cosmopolitisme, donc des nouvelles classes capitalistes,
est le renversement dialectique dans le sens bourgeois de l'internationalisme. Il est basé sur l'affirmation globale des intérêts individuels de l'élite capitaliste au-dessus de l'État national d'origine, tout en maintenant son usage de l'État et bien sûr sa nature de classe, et en particulier, comme a dit M. Moreau, sur la répression. C'est pas contre les gilets jaunes, c'est l'État français qui réprime et qui mutile. C'est pas un Eurocorp. À ce moment-là, effectivement, il y a quelque chose pour les forces progressives, c'est que défendre la nation, donc le peuple qui constitue la nation, n'est plus réactionnaire, puisque l'élite capitaliste a laissé tomber cet aspect de nation qui la gêne pour le libre marché, etc. Du coup, on retrouve de nouvelles contradictions, c'est ce que vous avez esquissé, et j'ai fait un tout petit schéma. Peu importe. Oui, mais là, personne ne le voit. Alors, mais tu le verras là. Non, mais explique, bon. On montrera alors, peut-être oui. après. Oui, non, explique plutôt parce qu'il bon. faut laisser la parole au débat. Voilà. On avait la contradiction entre les capitalismes et les classes laborieuses. Les classes laborieuses regroupant les employés, les travailleurs et différentes choses. C'est décrypté et décortiqué dans le bouquin. Je ne reprends pas. Là, on a une nouvelle contradiction que M. Moreau appelle un anneau à trancher avec le peuple qui regroupe non seulement ces classes laborieuses, mais un certain nombre de secteurs intermédiaires qui se trouvent maintenant dans la position en tant que constituants de nations subordonnés au capital mondialisé et européen. Et du coup, ça change tout à fait le rapport. Défendre la nation au sens progressiste, qui n'est pas une nation, qui est une nation volontaire, Domenico Moreau explicite très bien le contrat social, etc., de Rousseau, n'est plus quelque chose de réactionnaire. Et au contraire, fait partie d'une lutte contre l'élite euro-atlantique, c'est moi qui le rajoute, et introduit une nouvelle contradiction qui est subordonne la contradiction fondamentale, qui évidemment est toujours là, mais qui lui donne une particularité important. Voilà. Alors, ma question. Oui. Ma question était sur la fin. Vous avez, sur la fin, parlé de lutte, justement, contre ce nouvel état de choses au niveau de l'intégration européenne. Pourquoi parler de ça et pourquoi ne pas dire il faut se sortir de cette chose ? Article 50, Frexit. Et qu'à ce moment-là, on détruit complètement le système. Voilà, la question. Alors que, donc la question est claire. Pourquoi voilà. ça ? Allora, prima di elaborare una strategia sull'uscita dall'Europa e dall'euro, bisogna capire se vogliamo uscire e perché. Avant de savoir si on veut élaborer une stratégie pour sortir de l'euro, l'Europe et de l'euro, j'ai pensé qu'il valait mieux savoir déjà pourquoi il faut en sortir. In Italia, quando si parlava di uscita dall'euro, voleva dire esporsi a un'accusa di nazionalismo. En Italie, pendant longtemps, on s'exposait à une accusation de nationalisme quand on disait qu'on voulait sortir de l'euro. Se non addirittura di fascismo. Et si ce n'est d'une question de fascisme directement. Oggi la situazione è diversa. Aujourd'hui la situation a changé. Secondo un sondaggio, il 52% degli italiani è per uscire dalla UE. Aujourd'hui, selon un sondage, 52% des Italiens sont pour sortir de l'euro et de l'Union européenne. Dalla UE. Dall'Unione europea. L'Unione europea. La cosa bizzarra è che la quota di quelli che vogliono uscire dall'euro è inferiore. La cosa che è bizzarra è che ceux qui veulent sortir de l'euro, le taux est inférieur à ces 52%. È bizzarro perché se esci dalla UE è chiaro che esci dall'euro. C'est bizarre parce que si tu sors de l'UE, c'est sûr que tu sors de l'euro. Mais ça, c'est la même chose en Grèce, par exemple, et dans beaucoup d'autres endroits. Cioè, théoriquement. Dice che è la stessa cosa in Grecia. Teoricamente potresti stare nella UE e uscire dall'euro. Teoricamente potresti rester dans l'UE e sortir de l'euro, ma pas contraire. Non, petite précision,
on ne peut pas sortir de l'euro, il n'y a aucune clause, sauf si on sort de l'Union européenne. Et on sort de l'Union européenne par l'article 50, c'est ce que les Anglais ont fait avec leur Brexit, y compris avec toutes leurs maladresses, et en particulier lié au problème de l'Irlande, qui ne nous concerne pas, ni l'Italie, ni la France. Et on ne peut sortir que par l'article 50, et cet article permet de sortir de l'Union européenne, et du coup, de sortir de l'euro par conséquence. Et il faut savoir une chose, c'est que l'article 48 du traité du TUE oblige l'unanimité de toute décision. D'ailleurs, comment il s'appelle, Macron a voulu faire, quand il est arrivé, quelque chose sur les travailleurs détachés. Et évidemment, la Pologne, la Tchéquie, la Roumanie et la Bulgarie ont dit « nein ». Si on veut lutter contre les délocalisations fiscales, etc., évidemment, l'Irlande, Malte et l'Irlande diront non. On va reprendre ça c'était une précision que tu as donnée. Oui. On va rendre la parole à Domenico pour qu'il termine sa réponse. Anche in Italia c'è un dibattito su come uscire. Aussi en Italie, il y a un débat sur comment est-ce qu'on sort. Perché molti hanno paura a uscire dall'euro. Parce que beaucoup ont peur de sortir de l'euro. Si rendono conto che l'euro è dannoso, ma temono le conseguenze di un'uscita. Ils se rendent compte que l'euro est dangereux, mais ils craignent les conséquences d'une sortie de l'euro. Un'uscita dall'euro deve essere fatta, a mio modo di vedere, da sinistra. A mon avis, il faut sortir de l'euro par la gauche. È chiaro che se si esce dall'euro bisogna mettere in campo delle forme di controllo statale sui capitali, sulla banca centrale e su tutta una serie di attività economiche e finanziarie. Se on sort de l'euro, il faut faire un contrôle étatique de un certain nombre de banques e di istituzioni finanziarie. Per farvi capire, vi dirò qual è la causa dell'enorme debito pubblico italiano. Se vous voulez, pour faire comprendre les choses, je vous dirai quelle est la cause de l'énorme déficit public italien. Il debito pubblico italiano raddoppia tra 1981 e 1992. 1981 e 1992. Il a doublé entre 1981 e 1992. Perché? Pourquoi? Perché la Banca Centrale Italiana non è più obbligata in quel periodo ad acquistare i titoli di Stato emessi dal Ministero del Tesoro. Parce que la Banque Centrale Italiana n'était plus obligée d'acquérir les titres émis par l'État italien. In questo modo i rendimenti, cioè i tassi di interesse dei titoli di Stato, sono schizzati in alto. Donc les taux d'intérêt des bons étatiques ont augmenté en flèche. Infatti, la crescita del debito è imputabile unicamente o soprattutto all'innalzamento dei tassi di interesse per il debito italiano, che era molto più alto dei tassi di interesse del debito francese, tedesco, eccetera, eccetera. Donc en fait ce déficit public est lié à l'augmentation des taux d'intérêt qui était beaucoup plus important en Italie qu'en France. Quindi se noi uscissimo dall'euro, si on sortait de l'euro e mantenessimo l'autonomia della banca centrale italiana, si on maintenait l'autonomie de la banque centrale italienne, saremmo in difficoltà. On serait en difficulté. Quindi bisognerebbe accompagnare all'uscita dall'euro alcune misure. Donc il faudrait accompagner la sortie de l'euro de certaines mesures. La mia opinione è che comunque un'uscita dall'euro renderebbe più dinamica, più fluida, più mobile la situazione tra le classi sociali. Mais selon moi la sortie de l'euro rendrait plus fluide la situation entre les classes sociales, plus mobile. Nel senso che comunque verrebbe a mancare un vincolo esterno e anche i problemi creati dall'uscita dall'euro scatenerebbero una maggiore conflittualità sociale. Donc il y aurait ce lien extérieur dont il avait parlé qui serait coupé et donc ça créerait une plus grande conflictualité au sein des classes sociales en Italie. Infatti il punto su cui ragionare è: perché in Italia, dove abbiamo subito la crisi più di voi, non ci sono movimenti
di protesta, mentre in Francia c'è un movimento che va avanti da parecchi mesi. Il si pose la question de savoir si c'est assez bizarre le fait qu'en Italie on ait beaucoup moins de protestations alors qu'on a beaucoup plus social, alors qu'on a beaucoup plus ils ont beaucoup plus souffert de la crise que nous. Io non ho una risposta precisa. J'ai pas une réponse précise. Però credo che in parte ciò dipenda dalla differenza tra i sistemi politici. Mais je pense que ça dépend quand même de la différence entre les systèmes politiques. In Italia noi abbiamo molti corpi intermedi. On a beaucoup de corps intermédiaires en Italie. Sindacati, partiti. Syndicats, partis. Che ammortizzano determinate situazioni. Qui amortissent des situations déterminées. In Francia io credo che il sistema ipermaggioritario di elezione diretta del presidente. En France, je pense que le système ultramajoritaire d'élection directe du président. Crei delle difficoltà nella gestione della conflittualità sociale. Ça crée des difficultés dans la gestion de la conflictualité sociale. Inoltre da noi il partito rappresentante del capitale transnazionale, il Partito Democratico, sebbene duramente colpito durante le ultime elezioni, però il Partito Democratico che per noi è il rappresentante tipico delle classi del capitalismo internazionalizzato in Italia, anche se ha été duramente touché. La democrazia cristiana. Oui, ouais, maintenant c'est le PD. C'est un mélange, ouais. C'est un mélange de gens de gauche et gens de droite. Enfin, de gens, bah, comme nous, la Macronie, quoi. Ouais. Non, mais il y a des anciens du PC, c'est terrible. Ah bon, pardon. Una specie di democrazia. C'est plus la démocratie chrétienne. Alors, una specie, ma deriva dal Partito Comunista Italiano. Ça dérive en partie du PC. Voilà. Enfin, certains dirigeants, hein. Et d'autres de la démocratie chrétienne. C'est-à-dire les pires ennemis. Hein, c'est un'unione tra alcuni che venivano dal Partito Comunista Italiano e altri che venivano dalla Democrazia Cristiana, hanno fatto il Partito Democratico che rappresenta gli interessi del capitale multinazionale e transnazionale, cioè il settore superiore del capitale italiano, quello che più ha beneficiato dell'euro. C'est celui qui a le plus bénéficié ce capitalisme là de l'euro. Ma ci sono dei settori del capitalismo italiano più in difficoltà. Mais il y a des secteurs du capitalisme italien qui sont beaucoup plus en difficulté. Questi settori esprimono il Movimento 5 Stelle e la Lega Nord, che adesso è Lega tout court. En fait, ces secteurs sont exprimés beaucoup plus par le Mouvement 5 Étoiles et la Ligue du Nord qu'on appelle aujourd'hui la Ligue. Quindi in Italia rimane un partito relativamente forte del capitale. Il y a toujours un parti relativement fort du capital qui reste. In Francia c'è stato il collasso dei Républicains et del Partito Socialista Francese. En France, il y a un collapsus des Républicains et du Parti Socialiste. E quindi l'élite ha inventato di sana pianta Macron e il suo movimento. Et donc l'élite a inventé du jour au lendemain Macron. Sul piano elettorale questo è stato un successo. Sul piano elettorale ça a été un succès. Ma sul piano della gestione della conflittualità, delle tensioni sociali, no. Ma pas sul piano della gestione della conflittualità sociale. E io credo che i gilet gialli siano la dimostrazione di questa difficoltà nella mediazione delle contraddizioni sociali. E je pense che i gilet jaunes sono bien la prova della difficoltà a gérer queste contraddizioni sociali in Francia. Un altro aspetto importante è il sindacato. L'autre aspect important, c'est le syndicat, le syndicalisme. In Italia i sindacati sono molto forti. I syndicats sont très forts en Italie. Con milioni di iscritti. Avec des millions d'inscrits. E la loro dirigenza è legata al Partito Democratico e comunque hanno una posizione molto europeista e moderata. E leur direction est très liée au PD, au Parti démocrate, et donc ils ont une position très européiste. Comme la CFDT. Ouais. In Francia, mais sauf que c'est la CGL, c'était l'équivalent du CGT. Et oui, mais c'est comme la CFDT, mais à la différence près qu'ils ont beaucoup plus de militants et d'adhérents. Bah oui. Mais ce que je veux dire, c'est l'équivalent de la CGT en Italie et pour le Parti démocrate, donc beaucoup plus. Oui, mais je veux dire, mais c'est plus la position de la CFDT, je veux dire, mais avec beaucoup plus d'adhérents. Oui, on parlait des couleurs de la CIS, de la Wii en France, c'est quand même la CFDT. Et plutôt seul leur opposition est plus pro-européen qui reste similaire à la position générée dei syndicati italiani. Ho capito. Diciamo, la mia idea è che comunque il fatto che in Francia ci siano sindacati meno forti
permette un maggiore sviluppo di movimenti autonomi. Le fait qu'en France il y ait des partis, c'est un paradoxe que des syndicats moins forts permet en fait un meilleur développement du mouvement. Non. Non, non, non siete d'accordo. No, no, no. No. Okay. D'accordo per il resto. Era una mia idea. D'accordo per il resto, ma non è no, no, interessante. C'è un gros problema. Ok. Però comunque i sindacati italiani sono comunque molto più forti, molto più numerosi e questo sicuramente è un problema. En tout cas, en Italie, les syndicats sont plus forts, sont plus nombreux, mais en même temps, donc plus liés à l'Europe, enfin, à l'intégration européenne. Au pouvoir et au capital, et au patronat, on va dire. Ouais. Ok. Deuxième question. Deux autres questions. Oui. Encore que la réponse à la première question ne m'a absolument pas convaincu, mais on ne va pas en débattre. Voilà. Non, mais c'est une partie du débat. Parce que je trouve qu'il y a une contradiction entre ce que vous expliquez parfaitement dans le livre et cette petite phrase sur la fin, qui, à mon avis, n'est pas de même nature. Mais c'est peut-être lié à la différence de la situation italienne et française. Je vais poser ma deuxième question. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de mieux distinguer, vous le faites, Union européenne et zone euro? Pourquoi je dis ça? Parce que un certain nombre de traités qui nous lient, les traités sur le libre marché, etc., et la perte de la souveraineté, sont liés à l'Union européenne. Et l'euro, c'est la perte de la souveraineté monétaire. C'est un des aspects. Mais il y a d'autres aspects, et qui expliquent, en particulier pour la France, la désindustrialisation. Et l'aspect de la souveraineté qui est perdue par l'Union européenne. Donc, et je pensais aussi à la problématique Target 2, et qu'un jour, peut-être, que les Allemands laisseront tomber l'euro. C'est la même question. Oui. Les Allemands laisseront tomber l'euro et garderont quand même l'Union européenne ou feront une sortie subreptice de l'euro en réintroduisant des coûts de transaction. Car actuellement, et en particulier vis-à-vis de l'Italie, la Deutsche Bank est extrêmement créditeur d'une dette qui ne sera jamais payée. C'est deux questions différentes. Non, c'est la même, parce que distinguer l'Union européenne de l'euro permet de continuer la critique de l'Union européenne, même si l'euro change de nature, si les Allemands le désirent. Mais c'est dans l'air. C'est la même question. Oui, par là d'une possible cambio mento de l'entour de l'euro da parte dei tedeschi, con Target 2. E secondo lui bisogna distinguere, fare una distinzione tra i trattati dell'UE e la zona euro, perché l'euro potrebbe cambiare di forma. Cosa ne pensi di questo? Ma i trattati possono essere cambiati solo all'unanimità. Le traité ne peuvent être changés qu'à l'unanimité? E questo rende molto difficile ipotizzare un cambiamento dei trattati stessi. E quindi ça rend très, très difficile d'ipotetizzare un cambiamento dei trattati eux-mêmes? In realtà io credo che il trattato di Aquisgrana e il manifesto della politica industriale dimostrino il fatto che l'Europa già si sta un po' disgregando. Ma il trattato della Chapelle e il manifesto sulla politica industriale sono bene la prova che l'Europa è già in train de se disintegrare. Sicuramente sul piano politico non esiste né esisterà mai. Donc sur le plan politique, ça n'existe pas et ça n'existera pas. Almeno per quello che noi possiamo prevedere nei prossimi anni. Du moins dans la mesure de ce qu'on peut prévoir dans les prochaines années. Però l'aspetto, diciamo così, di ingabbiamento economico determinato dai trattati che pongono i vincoli di bilancio e l'euro col cambio fisso, quelli rimarranno a meno che non ci sarà una forte crisi che spaccherà tutto il sistema. Oui, il pense qu'en fait cette politique de carcan et cette politique de taux fixe qui est liée en fait à la zone euro resteront tant qu'il n'y aura pas une crise qui fera exploser le système. Juste une incise et je te rends la parole pour ta troisième question. Est-ce qu'on peut interpréter ça, c'est la conclusion logique a priori qu'on peut tirer de la lecture, y compris du livre de Domenico Moro. La conclusion logique, c'est qu'on ne va pas sortir ni de l'euro ni de l'Union européenne. C'est l'euro et l'Union européenne qui vont nous en sortir elles-mêmes parce qu'elles vont exploser de l'intérieur sous le poids de leurs contradictions. D'une part, est-ce que par conséquent, la bonne stratégie, c'est d'accélérer cette implosion de l'intérieur? Ma è parlato della possibilità che c'è l'alternativa o ne usciamo
Or, l'euro e l'euro si disintegrano da loro stessi e in questa situazione dobbiamo accelerare questo processo di autodisintegrazione. Allora, le unioni monetarie sono nate e sono morte, cioè, ci sono decine di unioni monetarie che sono durate più o meno a lungo. Les unions monétaires, elles vivent et elles meurent. Hein. Il y a elles ont jamais vraiment duré longtemps. Per esempio, c'era l'unione latina tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento. Il y avait l'union latine entre la fin du 1700, du 18e siècle et de non, de l'Ottocento, du 19e siècle et du 20e siècle. Quindi è evidente che a meno che non ci sia un'Europa politica, un superstato europeo, quest'unione monetaria prima o poi andrà a sfasciarsi. Il est sûr que s'il n'y a pas un superétat européen, cette union monétaire va se désagréger. E siccome un superstato non è in prospettiva possibile, credibile per le ragioni che abbiamo detto. Et comme cette superétat n'est pas une option crédible pour les raisons que nous avons évoquées. Possiamo ragionevolmente prevedere che anche l'euro vada a dissolversi. On peut aussi raisonnablement prévoir que l'euro va se dissoudre lui aussi. Il punto è che noi dovremmo parlare non tanto se uscire o meno, ma come uscire e in che modo inserire l'uscita dall'euro in una strategia più complessiva della sinistra in Europa. Oui, la question n'est peut-être pas tellement pour lui de savoir s'il faut sortir, mais comment on sort et comment est-ce qu'on intègre cette sortie dans une stratégie de la gauche en Europe. Il come non è una questione tecnica. C'est pas une, le comment c'est pas une question technique. È una questione politica. Mais politique. Quindi quello su cui noi dovremmo ragionare è proprio la prospettiva, perché altrimenti l'iniziativa sarà nelle mani del capitale. Donc, il faut réfléchir à cette perspective, sinon l'iniziativa sarà entre les mani del capitale. E ci sarà un'uscita che sarà negativa per i lavoratori. E sarà una sortie che sarà negativa per i lavoratori. Quindi è fondamentale che all'interno dei vari paesi europei si sviluppi un dibattito sull'uscita e le modalità di uscita dall'euro. Donc c'est très important que dans les différents partis de gauche européen il y ait un débat sur les modalités de la sortie de l'euro. Ma è altrettanto importante che tutti quelli che sono per l'uscita dall'euro nei vari paesi europei entrino in relazione tra di loro. Donc il faut absolument que tous ces partis qui sont pour la sortie de l'euro entrent en relation entre eux. Ma questo presuppone la ricostruzione di una sinistra non solo nei singoli paesi, ma a livello europeo. Donc ça suppose la reconstruction d'une gauche pas simplement dans les différents pays, mais aussi au niveau européen. Quindi, perché l'uscita dall'euro è di sinistra internazionalista? Perché è l'unico aspetto, è l'aspetto principale attorno al quale noi possiamo ricostruire un'unità tra i vari pezzi di classi subalterne che sono spezzettate a livello continentale. Oui, en fait, c'est comme ça, c'est avec cet internationalisme qu'on peut reconstituire les différents morceaux de classe ouvrière qui ont été émiettés dans nos propres pays. C'est avec cette stratégie internationaliste. Il capitale è internazionalista. Il capitale è internazionalista. Ha le sue organizzazioni, ai suoi collegamenti e così via. Il ha ses organizzazioni, ses liens. La classe lavoratrice non ha questo tipo di organizzazione. Anche i sindacati europei in realtà non riescono a portare avanti, chiaramente perché hanno un'impronta opportunistica, ma non riescono a portare avanti una politica europea. En fait, les syndicats européens, précisément parce qu'ils sont opportunistes, mais ils n'arrivent pas en partie, mais ils n'arrivent pas non plus à avoir une politique véritablement européenne. Quindi l'uscita dall'euro, il recupero della sovranità, non è una questione nazionale. Donc la récupération de la souveraineté, c'est pas une question nationale.
il punto non è la sovranità nazionale. Le point important, c'est pas la souveraineté nationale. Ma è la sovranità democratica e popolare. Mais souveraineté démocratique et populaire. Siccome gli strumenti di questa democrazia, di questa sovranità popolare e democratica sono a livello nazionale, è importante recuperare il livello nazionale. En fait, c'est parce que les instruments de souveraineté se trouvent au niveau national qu'il est important de les récupérer au niveau national. Ma questo non vuol dire che noi non dobbiamo pensare a una strategia di collegamento tra i vari pezzi di questo movimento a livello europeo. Ma ça ne veut pas dire pourtant qu'il faille ne pas penser à une stratégie justement internationale de mise en mouvement de ces stratégies-là en fait. Ta troisième question. Alors ma troisième question, le point qui vient d'être évoqué, c'est ce qu'on a très bien connu au moment des émancipations coloniales, des stratégies internationales de libération nationale. Alors ma troisième question était par rapport à l'impérialisme, puisque l'article 42 du TFUE oblige à s'inscrire dans l'OTAN. Et on voit bien qu'avec cet appareillage-là, et c'est le sens de ma question, l'aspect impérialisme, l'OTAN, donne l'aspect militaire de ce dont l'Union européenne et l'euro est l'aspect civil, civique, pas civil. Question ? La question est, n'est-il pas important de mettre au même niveau que l'Union européenne l'aspect de l'OTAN ? Et on a bien le combat anti-impérialisme sur l'aspect civil qui domine les peuples, dont on a bien parlé, et l'aspect militaire de l'impérialisme qui est l'OTAN. Okay. Article 42. Donc c'est ça. C'est que j'avais capito. Comunque, voilà. La NATO, hein, c'est, qui est importante, fait partie de l'article 42. E lui dice che lo dobbiamo mettere allo stesso livello che questa uscita della NATO. Sì, certo. Anche l'uscita dalla NATO è, secondo me, un obiettivo che deve stare insieme. Però c'è una questione. Il faut mettre ensemble ces deux objectifs, sortir de l'OTAN, sortir de l'OTAN. Però c'è una questione molto strana del trattato di Aquisgrana, perché nel trattato di Aquisgrana si dice che la Francia e la Germania si impegnano ad intervenire con le loro forze armate nel caso di minaccia alla sicurezza di uno dei due. Alors, il y a quelque chose qui est bizarre dans le traité d'Aix-la-Chapelle, c'est que la France et l'Allemagne disent qu'elles interviendront en cas militairement en cas de menace de l'un des deux États. A me ha molto colpito perché. Ça m'a frappé. Perché c'è un articolo dei trattati europei che prevede l'aiuto, il sostegno reciproco dei paesi europei in caso di minaccia alla sicurezza. Parce qu'il y a normalement un traité qui est déjà prévu d'assistance mutuelle entre les pays européens. E sia la Francia che la Germania fanno parte della NATO. E autant l'Allemagne che la France font partie de l'OTAN. Quindi mi sono chiesto perché abbiano scritto espressamente questo facendo riferimento all'uso delle forze armate. Et donc je me suis demandé pourquoi on a fait expressément référence à ça en faisant référence à l'usage des forces armées. Alors c'est un compliment, j'ai le texte hein, de je le lis, juste cette phrase dont vous parlez et vous avez tout à fait raison d'en parler. Les deux États, France-Allemagne, convaincus du caractère indissociable de leurs intérêts de sécurité, font converger de plus en plus leurs objectifs et politiques de sécurité et de défense. Ils se prêtent aide et assistance par tous les moyens dont ils disposent. Ouais. Pour nous, la force atomique. Et y compris la force armée, en cas d'agression armée contre leur territoire. Donc, si à un moment donné, conclusion, il y a une agression, par exemple, de la Pologne, de la Russie, etc., contre l'Allemagne, nous intervenons avec la force atomique au niveau de l'Allemagne. Que donne l'Allemagne en échange? Rien. Ça rappelle les 14. Deux précédentes guerres mondiales. Oui. C'est gravissime. Dice che un caso di un'intervenzione contro la Germania, dalla Russia, c'est la logique des alliances. La Francia dice che interverrà con la forza atomica. Sì, sì, ma infatti lo scambio politico prevede anche la copertura da parte della Francia della Germania con l'arma atomica, perché a parte la Gran Bretagna la Francia è l'unico paese che ha un'arma atomica. Le armi atomiche
Ci sono anche in Italia, sono nelle basi americane. A part l'Angleterre, la France a des armes atomiques, même si en Italie ils l'ont aussi, l'arme atomique, sauf que c'est pas eux qui appuient sur le bouton. Cioè, sostanzialmente sono due partner che si mettono insieme scambiandosi, diciamo così, un appoggio reciproco. En fait, ce sont deux partenaires qui se donnent une assurance de soutien mutuel. Però la cosa importante da sottolineare sul piano dell'analisi è la cosa importante a sottolineare che in questo modo qualunque ipotesi di Europa politica decade. Ma tutto, ça veut dire que toute hypothèse d'Europe politique tombe en ruine. E il ruolo dello Stato-nazione viene riaffermato. E il ruolo dell'État-nation è riaffermato. Infatti la Francia e la Germania attaccano la Cina per quanto riguarda Huawei. La Francia e l'Allemagne attaccano la Cina in ciò che concerne Huawei. E per il trattato che l'Italia firmerà a fine mese con la Cina. E per il trattato che l'Italia signerà alla fine del mese con la Cina. Riguardo alla gestione dei porti italiani. Concernant la gestione dei porti italiani. Ma in realtà la Francia è il primo paese a intervenire come Stato nelle imprese. La France, en réalité, la France est le premier pays à intervenir en tant qu'État dans les entreprises. Ha aumentato la sua quota nella Renault-Nissan. Il a augmenté sa part dans la Renault-Nissan. Il governo giapponese ha reagito arrestando Carl Ghosn. Le gouvernement japonais a réagi en arrêtant Carlos Ghosn. Ha cercato di aumentare il controllo di Air France KLM. Il a cherché à augmenter le contrôle d'Air France KLM. E lo Stato olandese ha reagito aumentando la sua quota dentro Air France KLM e portandola al livello dello Stato francese. Et donc le gouvernement hollandais, enfin néerlandais, a réagi en augmentant sa part, en la mettant au niveau du taux français. Quindi, dove sta la fine dello Stato-nazione di cui si parlava qualche anno fa? Donc, où est le but de l'État-nation dont on parlait il y a quelques années? C'è un utilizzo dello Stato-nazione quando serve. Il y a une utilisation de l'État-nation quand il sert. E il liberismo, quando serve, viene pure utilizzato. Et le libéralisme, quand il sert, est justement utilisé quand on en a besoin. On se sert de l'État-nation quand on en a besoin, on se sert du libéralisme quand on en a besoin. La classe bourgeoise dirigeante nationale utilise en fonction des circonstances la partie du pouvoir de l'État qui sert ses intérêts, mais contre d'autres intérêts capitalistes. C'est une contradiction à l'intérieur de la classe dirigeante et de la bourgeoisie. C'est à seconda delle esigenze. Non dobbiamo avere una interpretazione rigida, ma capire di volta in volta quale aspetto prevale. Il faut comprendre à chaque fois quel aspect prévaut dans la situation. Del resto è il nocciolo del metodo marxista, del metodo dialettico. C'est le noyau de la méthode marxiste. Oui, absolument, d'autant plus qu'il y a quand même une contradiction supérieure qui est que, y compris dans l'affaire Huawei par exemple, c'est évident, au-dessus de ces capitalismes nationaux, de ces bourgeoisies nationales, il y a l'impérialisme américain opposé à la Chine. Certo, c'è anche uno scontro, c'è ovviamente uno scontro. C'est pas spécialement l'intérêt d'aller en guerre, que ce soit contre les Iraniens, les Russes ou les Chinois, des capitalismes nationaux, mais par contre, c'est surdéterminé par la contradiction avec l'impérialisme américain. Exemple, le Venezuela. Allora, ok, una sola cosa. C'è una contraddizione tra Occidente, quindi UE e USA contro la Cina, ma anche una contraddizione USA-UE, perché gli Stati Uniti criticano proprio l'orientamento neomercantilista europeo, criticano gli ampi surplus commerciali della Germania. Oui, il y a peut-être parfois des alliances entre l'Europe et les États-Unis contre la Chine et en même temps des contradictions internes entre la Chine et les États-Unis parce que notamment les États-Unis critiquent la politique néo-mercantiliste de l'Allemagne et récemment.
il surplus principale della Germania, vado un po' a memoria, l'ultimo anno è stato proprio con gli Stati Uniti. Oui, l'excès de, comment dire, le balance de paiement était plus fort, c'était fait justement pour l'Allemagne avec les États-Unis. C'est là où ils ont le plus. Con gli Stati Uniti, esatto. Bon. On va peut-être passer maintenant la parole au public. L'excédent commercial. Ouais, voilà. Oui, l'excédent commercial, ben, je crois qu'on l'avait compris. Nicole, ta question. Un petit mot d'abord avant ma question sur l'Italie. La Chine, par exemple, en Grèce, a pris à les trois quarts du port du Pirée. C'est eux qui maintenant possèdent les trois quarts du port du Pirée. Et dernière information que j'ai entendue hier par... Le Pirée, c'est la Grèce. Oui, la Grèce. Ah oui, pardon. Ben oui, là. Excuse-moi. Le plus grand port européen. Mmh. Je croyais que tu parlais d'Italie. Et oui, mais parce que monsieur parlait de, que la Chine voulait aussi des. Et deuxièmement, Cécile Duflo a dit hier une information que je vous donne en exclusivité. La Chine fait partie des pays qui luttent le plus contre la pollution atmosphérique et donc pour le climat. Figurez-vous que la Chine lutte pour le climat. Mais cela m'appelle à dire que l'idéologie écologiste va prendre aussi le pouvoir dans les divers rouages là, politico-économiques, je pense. Ça va être aussi une arme. Hein. Alors, ma question sur l'Italie, par contre, plus prosaïque. Vous avez dit que 52% des Italiens étaient pour la sortie de l'Union européenne. Le gouvernement l'est aussi, forcément, je pense. Et pourquoi, oui, mais c'est une question, monsieur. Pourquoi, dans ces conditions, ce régime, enfin, je suis tout à fait d'accord avec toute l'analyse que vous avez faite sur le rôle du capital et la crise qu'ont subi les Italiens, pourquoi ont-ils voté pour un parti, quand même, qui est d'extrême droite? Et qu'est-ce qu'il y a comme lutte actuellement des classes populaires? Moi, j'en ai vu qu'une seule, c'est celle des femmes. Parce que les femmes sont... Il y a des mesures actuellement qui vont être prises en Italie qui sont absolument dramatiques. Hein, contre le divorce, c'est toujours la faute des femmes. L'IVG, il faut peut-être que tu commences à traduire parce que ça va. L'IVG, etc. Non, faccio un riassunto. Attends, mais la question, c'est surtout quelles sont les luttes. Quelles sont les luttes? C'est surtout ça la question. Excuse-moi. Quelles sont les luttes en Italie actuellement? Si, alors. In Italia ci sono delle mobilitazioni molto forti contro la xenofobia e contro la violenza nei confronti delle donne, a favore di una maggiore parità nei posti di lavoro. Diciamo, questi due sono gli aspetti sui quali più ci si mobilita. Donc il y a contre la violence faite aux femmes, pour la parité sur les postes de travail. Ce sont les deux secteurs sur lesquels les gens se mobilisent le plus. Ah oui, d'accord. Contre la xénophobie. Donc ça confirme. Et les ouvriers. Sì, anche ci sono molte lotte contro progetti sul territorio, come per esempio la ferrovia veloce, piuttosto che le trivellazioni di petrolio, le trivellazioni di gas, ma sono lotte però che rimangono un po' isolate. È difficile metterle insieme in una strategia complessiva di critica non solo al governo, ma all'assetto di classe complessivo del paese. Il y a certaines luttes contre le. Elles sont un peu émiettées ces luttes, on a du mal à les mettre ensemble. Vous avez des contre l'implantation ferroviaire, contre sans doute les raffineries, si j'ai bien compris, c'est ça? Sì, le pétrole. Non vorrei aver dato un'impressione sbagliata. Je ne veux pas avoir donné une impression erronée. L'Italia è un paese dove ci sono molte lotte. L'Italia è un paese dove il y a beaucoup de luttes. Però sono lotte molto limitate sul piano territoriale e sul piano tematico. Ma sono a la fois limitate sul piano territoriale e sul piano tematico. C'è difficoltà a creare una critica generale al governo su argomenti più complessivi. C'è difficile de creare una critica al governo su argomenti più complessi e più englobanti, se volete.
Allora, cosa vuole fare il governo rispetto all'Europa? Qu'est-ce que veut faire le gouvernement par rapport à l'Europe? Le gouvernement italien, le gouvernement italien. Il governo italiano, sì. Io non credo che abbiano mai pensato a un'uscita dall'euro. Je pense qu'ils ont jamais pensé à une sortie de l'euro. L'obiettivo era agitare l'uscita dall'euro per negoziare con l'Europa condizioni migliori. Le but était d'agiter la sortie de l'euro pour négocier des meilleures conditions avec l'Europe. I centri di potere italiani non vogliono uscire dall'Europa. Le centri di potere italiani non vogliono pas sortir de l'Unione Europea. E neanche dall'euro. E ben non più dell'euro. Però molti all'interno di questi centri di potere si rendono conto che l'Italia è penalizzata. Ma beaucoup se rendono conto che dans ces centri di potere che l'Italia è penalizzata. En fait. Rispetto alla Germania, rispetto alla Francia. Par rapport all'Allemagne, par rapport alla France. Un altro tema molto importante che ha avuto uno sviluppo negli ultimi giorni è proprio quello ecologista. E l'altro tema che ha avuto un'importanza, soprattutto recentemente, è il tema ecologista. E anche quello è un tema importante che si può ricollegare all'Europa. Io credo che si rilassa all'Europa. Io credo che sia la questione femminile che la questione ecologista e il razzismo e la xenofobia siano collegati all'austerity, perché l'austerity ad esempio mette in grave difficoltà tutti gli stati italiani, tutti gli stati europei e in particolare l'Italia nella sua capacità di accogliere i migranti. Et je pense que tous ces problèmes sont liés aussi à, y compris le racisme, les questions des femmes, etc. Et c'est lié à l'austérité qui met en difficulté les différents États européens. L'Italia è il paese con il differenziale maggiore tra crescita delle imprese all'estero italiane e crescita delle imprese in Italia. C'est en Italie qu'il y a le plus l'écart entre la croissance des entreprises italiennes à l'étranger et la croissance des entreprises italiennes chez eux. In Italia abbiamo avuto tra 2009 e 2015 un calo medio annuo dell'1,3%. D'accord, entre 2009 e 2015 on a perdu 1,3% di addetti. Oui, de profit. È chiaro che in questa situazione si crea appunto uno stato di guerra tra poveri. Et c'est sûr que dans cette situation, se crée une sorte d'état de guerre entre les pauvres, parmi les pauvres. Quindi l'austerity è sicuramente un obiettivo importante. Et donc l'austérité est un objectif important. Perché senza eliminare l'austerity non possiamo sviluppare quegli investimenti. Parce que sans éliminer l'austérité, on ne peut pas augmenter les investissements. Che ci permettono di creare un numero sufficiente di posti di lavoro qui nous permettrait de créer un nombre suffisant de postes de travail per italiani e stranieri pour les italiens et pour les étrangers e alimentare anche il welfare state et alimenter aussi l'état providence. Va sottolineato che l'Italia è il paese dove la riduzione degli investimenti è stata più forte. Faut aussi dire que l'Italie est le pays où la réduction des investissements a été la plus forte. Investimenti privati ma anche pubblici. Investissement privé mais aussi public. I nostri comuni, anche se hanno soldi nelle loro casse, nos communes, même si elles ont des sous, de l'argent dans leur caisse, non possono investire perché c'è il patto di stabilità. Elles ne peuvent pas fiscal compact. Elles peuvent pas investir parce que le pacte de stabilité, ce qu'ils appellent le fiscal compact. Quindi le strade, i servizi pubblici, gli ospedali sono in una condizione disastrosa. Donc les services publics, les routes, les hôpitaux sont dans une condition désastreuse. J'ai différentes remarques à faire. Que dès la signature du traité de Rome, il était clair que c'était pas un traité européen, c'était un traité européen germain. Les Italiens le savaient très bien. Or, ils voulaient régler le problème de la population d'Italie Sud en les envoyant travailler en France, en Allemagne ou en Belgique, faciliter l'insertion en dehors de l'Italie. Donc, c'est les Italiens eux-mêmes qui ne voulaient pas régler certains problèmes.
Et chaque pays avait un intérêt, avait trouvé un intérêt économique. Or, il était clair que je viens de voir les documents qui ont été déclassifiés ou qui ont été révélés, que Charles de Gaulle a très bien vu que le traité de Rome était un traité qui allait avantager l'Allemagne et les États-Unis. Il a essayé de résister, contrairement à ce qu'on nous fait croire. Voilà. Et la France s'est complètement soumise à l'ordre monétaire allemand par Giscard d'Estaing, dans le SME, avec l'Italie. Et à partir de là, se posait effectivement le problème que chaque pays pouvait développer son économie par les exportations. Est-ce que tu peux poser une question, s'il te plaît, à Domenico? Une question précise. Oui, mais je vais lui très bien expliquer. Or, il était clair qu'aucun leader politique en Europe était en capacité de dénoncer cela, que c'est un ordre monétaire allemand qui va s'imposer en Europe et que les pays européens, les pays de la zone européenne n'auront comme moyen d'expansion que leurs exportations. Voilà, c'était. Mais en contrepartie, ils bénéficieront d'une monnaie à valeur internationale. Et nous sommes plus ou moins en train de faire une démonstration que l'euro est un dollar déguisé. Voilà, c'était ça. Et oui. Si je peux reformuler ta question, parce que je connais bien ta thématique, la question c'est entre le rapport entre l'euro et l'Union européenne et les traités qui la consacrent. C'est-à-dire qu'il y a, une problématique monétaire avant tout et liée à la politique monétaire allemande qui occasionne, y compris ce que Domenico Moro a évoqué à propos des balances extérieures et du fait que, par exemple, pour s'adapter, l'Italie a renforcé, a réorganisé son économie pour exporter. Est-ce que un point qui n'a pas été évoqué, bien que on puisse le comprendre dans le livre de Domenico, c'est que une des déterminations essentielles, c'est dès le départ, autour de construire l'Union européenne autour d'une problématique monétaire, elle-même favorable aux États-Unis, essentiellement pour faire de l'euro un dollar dégradé pour des raisons de convertibilité, et que c'est ça qui a impliqué, y compris l'absence de stratégie industrielle, et aussi le fait que, en revanche, et c'est ça qui pèse sur les classes laborieuses dans toute l'Europe, en dehors de la question d'austérité qui est liée aussi à ça, c'est ça qui pèse parce que, entre autres choses, ça a amené à la politique d'exportation et à toute une série de phénomènes qui ont été décrits. Donc l'origine monétaire et de la volonté d'asservissement impérialiste par le biais de la monnaie via la politique monétaire allemande, s'appuyant sur le mark fort. Ma innanzitutto l'euro non sostituisce il dollaro. Ma avant tout, l'Europe, par esempio, ne remplace pas il dollaro? In Italia qualcuno si era illuso che l'euro e l'Europa potessero essere dei contraltari agli Stati Uniti, all'imperialismo statunitense. En Italie, des gens qui sont illusionnés sur le fait que l'Europe et l'euro pourraient s'opposer en fait à la puissance américaine. Abbiamo visto che non è così. Per esempio, sul Venezuela. Non, ma c'est exactement ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. C'est que justement, il s'agissait. Siamo d'accordo. Siamo d'accordo, sì. C'est qu'en fait, l'euro était présenté pour être indépendant, mais il s'agissait exactement du contraire. Se ho capito bene. Si j'ai bien compris. Io non credo che il problema sia soltanto e soprattutto l'egemonia della Germania. Ma je crois pas que le problème soit absolument l'egemonia allemande, soit surtout l'egemonia allemande. Allora, nonostante il trattato di Aquisgrana, nonostante il manifesto di politica industriale. Malgré le manifeste de la politique industrielle et ce traité d'Aix-la-Chapelle. Io credo che il nodo centrale sia una questione di rapporti di forza tra la classe lavoratrice europea e il capitale multinazionale europeo. Je pense que le cœur du problème c'est l'affrontement entre la classe ouvrière et le capitale au niveau européen. Diciamo che sono due livelli. C'è un livello che è quello dell'accumulazione del capitale, e l'altro livello è quello degli stati.
Disons qu'il y a deux niveaux, le niveau de l'accumulation du capital et l'autre niveau qui est celui des États. Questo è un problema teorico e analitico enorme. C'est un problème théorique et analytique énorme. Cioè capire la relazione tra struttura e sovrastruttura. Comprendre la relation entre structure et superstructure. Cioè tra economia e politica. Donc entre économique et politique. Io credo sostanzialmente che l'euro sia uno strumento politico. Je pense substantiellement que l'euro est un instrument politique. Ma per riorganizzare l'accumulazione di capitale. Mais pour réorganiser l'accumulation du capital. Cioè la trasformazione di alcune funzioni dello Stato. Donc la transformation de certaines fonctions de l'État. È funzionale alla far ripartire l'accumulazione di profitto. A pour but de faire repartir l'accumulation du profit. Alla base di tutto questo di cui stiamo discutendo. Et la base de tout ce dont on parle. C'è la caduta tendenziale del saggio di profitto. Il y a la baisse tendancielle du taux de profit. E quindi la necessità di riorganizzare il sistema delle imprese. Cosa che è accaduta in Italia? E donc la necessità di riorganizzare il settore delle imprese. Qu'est-ce qui est arrivé en Italie? Basta, prego. Voilà. Alors, question sur. Attends, on va passer aux autres. Il a dit une erreur très importante. Le problème qu'on nous a jamais dit, on nous a jamais expliqué cela. Il y a un accord entre la Fed et la BCE. La BCE et la Fed accepteront, la Fed acceptera de manière illimitée, quasi illimitée, on va de manière exagérée, échanger de l'euro contre des dollars. C'est-à-dire que si vous avez un euro, vous avez un dollar. Et ce qui explique pourquoi il y a la crise des subprimes, et la crise des subprimes n'a touché que les banques européennes, c'est que les banques européennes ont échangé des euros contre des dollars et ils ont spéculé, ce qui n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas l'euro. Et c'est là où c'est un non-dit auquel l'opinion publique française n'est pas très bien informée, qu'à certains moments, ben finalement, ça a posé un problème pour les banques européennes car ils avaient converti de l'euro en dollars et ces dollars, finalement, ils les ont perdus. Donc il fallait dans ce cas-là faire du quantitative easing pour sauver nos banques européennes. Donc c'est-à-dire et que l'euro s'est mis en position, j'allais dire, de vassal vis-à-vis de la Fed. Il peut donner son opinion sur l'hégémonie tedesca. Sur l'hégémonie tedesca, là, c'è un'egemonia tedesca in Europa, però la Germania è uno stato monco. Non è in grado di esercitare tutti gli aspetti necessari a un'egemonia imperialista, per esempio quello militare. Oui, mais l'Allemagne n'est pas capable d'exercer une hégémonie militaire complètement. Et justement, c'est exactement ça qui explique l'échange. L'hégémonie monétaire, le marque fort comme sous-produit du dollar, c'est de la part des Français. Donc nous sommes d'accord. C'est ça que je veux dire. Donc il y a des échanges. Passons à l'autre domanda. Voilà, donc nous sommes d'accord. Voilà. Siamo d'accord. C'est bon. J'ai rencontré un ministre qui est au bord de la rue, qui a rencontré un ministre de Bérégovois et il m'a dit nous, à l'époque, on a fait une erreur. On pensait qu'il fallait avoir une monnaie stable avec l'Allemagne. Mais on a cru que c'était ça la voie. Et donc on a fait un deal avec les. Avec l'Allemagne. Et il a dit que l'important c'était pas la monnaie, c'était la stratégie industrielle, avoir l'autonomie industrielle. Et on a fait une erreur, c'est qu'on a abandonné notre industrie pour la monnaie. On voulait une monnaie. Pourquoi? Parce que la France. Depuis 1919, elle rêve d'avoir une monnaie souveraine. Voilà. Comme elle ne peut pas l'avoir, elle a fait la monnaie avec l'Allemagne. Et l'échange complète pour raccourcir, mais je crois qu'on est d'accord maintenant qu'il a compris. Et le deal, c'était que les Français amenaient la force atomique, l'autonomie militaire, en échange que ne pouvait apporter l'Allemagne, et en échange de la monnaie forte, elle-même asservie au dollar. Est-ce que on est d'accord sur l'analyse? Voilà, on est d'accord. Sur les aspects en fait historiques, il n'y a pas de désaccord. Donc il n'y a pas de désaccord. Il y a peut-être d'autres questions qui ont émergé depuis. Approchez parce que sans ça on ne va pas vous entendre.
Je voulais faire en italien ou en français ou si possible. Si possible en français pour l'assistance, mais. Prima en français, puis je vais faire en italien. Si vous voulez faire en français, je voulais dire que pour répondre à votre question, je ne sais pas si Domenico Moro serait d'accord avec ça. Je crois qu'il faut dire que aussi que l'erreur, ce n'est pas été seulement un erreur que les classes dirigeantes européennes, français et italiennes ont fait. C'était un instrument pour discipliner les conflits sociaux. Ce n'était pas que, je ne sais pas, les ministres avec lesquels vous avez parlé, ils ont dit que c'était une erreur, on pensait qu'il fallait avoir une monnaie stable. Il avait un conflit social, il ne savait pas comment le régler, et alors il a essayé de le faire avec l'euro, peut-être. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Ma dillo in italiano, è la tua lingua. Purtroppo sono capitato in una sezione a scuola dove facevano inglese. Dicevo che forse una cosa che non è entrata molto nel dibattito e che secondo me invece è importante è che si è detto che l'euro è stato un errore che hanno fatto le classi dirigenti francesi, italiane, certo, sì, e sì. Perché pensava quella francese che bisognava avere una moneta stabile. E invece secondo me l'euro è stato anche uno strumento per disciplinare il conflitto di classe sia in Francia sia in Italia e ci sono riusciti perché il potere che hanno perso i lavoratori in questi anni il è d'accordo. Donc, réponse, je réponds pour Daniel Pape pour gagner du temps. Hein. La réponse, c'est qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais il s'agit de rappeler que puisque c'est un carcan, et quel est le rôle? Pourquoi sortir de l'euro? Pourquoi s'en débarrasser? Il faut comprendre comment ça a été construit en tant que logique monétaire. C'est ça l'objection. Ok, tu peux lui traduire? Lui dice che quindi è proprio per questo che bisogna capire che l'euro è una gabbia e che per questo bisogna uscirne. Non so se siamo tutti d'accordo. No, on est d'accord, voilà. Mais et tu avais peut-être une autre question. Veramente no, bon, d'accord. Un po' provocatoria. Se siamo d'accordo, comprate il libro. D'accord. Donc on est tous d'accord, mais au moins ce point a été clarifié. Bon, est-ce que donc oui, éventuellement sur l'aspect lutte sociale au niveau national et au niveau européen, vous aviez mentionné le fait que contre un capitalisme transnational, il fallait une résistance transnationale. Alors autant au niveau national, je vois très bien quelle est la base sociale pour des luttes. Il y a des syndicats, il y a des gouvernements nationaux qui sont là, qui font position. Il y a ici les Gilets jaunes aussi. Donc il y a une base pour des luttes sociales nationales. Mais au niveau transnational, au niveau européen, qu'est-ce qui existe? J'ai exactement la même question. Hein. Si. Ben capito. Parce que je ne vois pas du tout où elle est cette base transnationale. Internazionalizzare i conflitti. Il problema è che non c'è nessuna base sul piano europeo per avere questo intervenzionismo di sinistra, anti-EU, perché lo vede sul piano a livello nazionale, i gilet gialli ad esempio, ma sul piano europeo vuol dire che l'integrazione europea ha fatto che tutti i sindacati sono pro-EU e non... L'ho detto. Certo. Certo, le difficoltà sono enormi. Io penso che in Italia stiamo messi molto peggio che da voi. Je pense qu'en Italie on s'est vraiment mis dans une situation pire que la vôtre. A me risulta che comunque all'interno di France Insoumise, per esempio, si sia affermata una posizione definita Plan B. Ecco, la posizione Plan B è una posizione che dal punto di vista di noi italiani è già piuttosto avanzata all'interno della sinistra. Cioè rispetto a una posizione che dice se usciamo dall'euro è il disastro, oppure il nazionalismo, la posizione del Plan B è un passo in avanti. Ma io voglio dire che la posizione del Plan B che aveva été evocata au sein della France Insoumise, déjà en Italie, c'est déjà une position un peu radicale par rapport à la situation française. En fait. Et en France, c'est plutôt considéré comme une guignolade. Ouais. Donc, effectivement, vous êtes mal parti. Vous êtes mal parti. Si tu me permets, justement, c'était. Alors, je me permets de réintervenir de façon très simple. L'un des grands intérêts du bouquin, c'est qu'il nous permet de sortir de cette espèce de gêne à endosser une libération nationale à cause du rôle que ça a été dans nos pays impérialistes. Et Domenico Moro a montré que justement,
dans le stade actuel de l'impérialisme globalisé et du capitalisme mondialisé, la nation est débarrassée, sauf quand ça les arrange, on a eu la discussion, au profit d'un cosmopolitisme. Du coup, je pense, et je pensais qu'on est donc libéré de cette fausse pudeur. Faire une libération nationale, ce n'est pas fasciste ni nationaliste. Et comment peut-il y avoir une stratégie européenne? On fait tous des libérations nationales, et à ce moment-là, on détruit l'ensemble. De la même façon que dans les colonies, à un moment donné, la lutte de libération nationale chinoise, la lutte de libération nationale, les luttes vietnamiennes, algériennes, ont détruit le colonialisme. Et c'est pour ça que je me suis permis de montrer une petite gêne sur les quelques dernières pages, mais annulées par l'appendice, sur cette histoire de dire au faut qu'on fasse quelque chose à l'échelle européenne. Et ma question était, pourquoi à l'échelle européenne? Pourquoi pas à l'échelle avec l'Afrique? Pourquoi faire quelque chose avec la Lituanie? On s'en tape, faisons nos libérations nationales, et le capitalisme va très très mal se porter. C'était ma petite... Tu peux traduire? Alors, insister sur le fait que tu as parlé de la nécessité de faire les lois nationales da noi, parce que siamo noi potere imperialistiche, imperialisti, tu hai messo in... ha parlato di liberarsi anche noi, e lui non vede la ragione per rimanere sul piano europeo anche nelle lotte. No, non ci siamo capiti. No, ma dice che dobbiamo solo tutti sviluppare le nostre lotte nazionali, sì, e sì, andare avanti. Sì. Allora, rispondo. Allora, il problema non è fare o le lotte nazionali o le lotte internazionali. Il but, il n'y a pas choisi entre ou faire les luttes nationales ou faire les luttes internationales. E fare entrambe le cose. Deve fare le due metodi. È chiaro che le lotte internazionali sono più difficili da fare. È chiaro che le lutte nazionali sono più difficili da fare. Proprio per le condizioni in cui noi ci troviamo. Le lutte nazionali o le lutte internazionali? Le lotte internazionali. Ah, oui, c'était pas très logique. Le lotte internazionali sono più difficili da fare. Quindi è più facile fare le lotte nazionali. È più facile fare le lotte nazionali. Perché lì si tratta di recuperare la sovranità democratica e popolare. Perché qui si tratta di recuperare la sovranità popolare e democratica. Che non è la soluzione dei problemi. Che non è la soluzione dei problemi. Se in Italia usciamo dall'euro, non è che abbiamo risolto tutti i nostri problemi, ovviamente. C'è sicuro che se in Italia usciamo dall'euro, non vuol dire che avremo risolto tutti i nostri problemi, ovviamente. Però sicuramente se rimaniamo dentro l'euro è molto difficile sviluppare una strategia di cambiamento, perché l'euro è una gabbia. Ma è sicuro che se restiamo nell'euro è impossibile sviluppare una strategia di cambiamento, perché l'euro è una cage. Quindi uscire dall'euro è una condizione necessaria ma non sufficiente. Donc c'est une condition, la sortie de l'euro est une condition nécessaire mais pas suffisante. Si je peux me permettre, mais pour la question, donc où sont les luttes internationales? Qu'est-ce qui pourrait ressembler actuellement à des bases d'une lutte internationale dans ce cadre-là? Parce que ni Pierre ni moi on ne voit où elles sont. Cosa pourra assimilarsi a una base di lotte internazionali nelle nostre lotte? Allora, ci sono stati dei collegamenti, ad esempio, tra varie forze politiche europee. Il y a des états de lien entre différentes forces politiques européennes. Per definire una piattaforma comune. Pour définir une plateforme commune. Quindi ci sono stati dei tentativi di definire delle posizioni per poter fare un'azione in comune a livello europeo. On a tenté de définir une position commune au niveau européen. Il problema sta nel fatto che le idee non sono molto chiare. Le problème c'est que les idées sont pas encore très claires. Sono 20 anni, anzi di più, 30 anni che l'europeismo permea, influenza la sinistra. Ça fait 20 ou 30 ans que l'européisme influence la gauche. Ed è molto difficile che anche le nuove formazioni di sinistra sviluppino una posizione molto netta sul tema. C'est difficile que les formations de gauche aient une position claire sur ce thème. Per questo all'interno del libro faccio un'analisi sulle basi culturali, ideologiche dell'europeismo, perché è importante capire come si è formata questa ideologia europeista nella sinistra, che è l'appendice dell'ideologia cosmopolita della borghesia.
Oui, comme l'idéologie européenne est l'appendice de la culture cosmopolite bourgeoise, je fais un rappel historique, culturel, pour comprendre comment ça a pu influencer l'ensemble de la gauche. È importante capire come si è costruita questa posizione. Comunque, comment s'est construite cette position? Comunque, quando Mitterrand va al governo nel 1981, giusto? Era il 1981. Quando Mitterrand va arrivare all'inizio lui prova a fare delle politiche avanzate. Au départ, il commence à faire des politiques avancées. Perché c'è un'inversione a U a un certo punto? Parce qu'il y a une inversion, oui. Perché entra in gioco il vincolo esterno. Pourquoi est-ce qu'à un moment ça se retourne au contraire? Pourquoi? Parce qu'il y a un lien externe. Lo stesso gioco, lo stesso meccanismo avviene nel governo laburista prima della Thatcher. Cioè l'elemento. Il y a la même chose qui arrive dans le gouvernement travailliste avant Thatcher. Cioè l'elemento del vincolo esterno, sia esso l'euro, il trattato europeo, ma anche il mercato internazionale, i mercati finanziari, sono elementi decisivi per imporre determinate politiche. Oui, en fait, les marchés internationaux l'Europe sont des moyens déterminants dans les politiques nationales de ces différents gouvernements. Io per vincolo esterno non intendo solo l'euro o l'Europa, intendo il mercato capitalistico mondiale. E par l'extérieur, j'entends pas seulement l'euro ou l'Europe, je parle de l'ensemble du marché capitaliste mondial. L'euro è importante perché è un fattore di liberalizzazione e di sviluppo del mercato mondiale capitalistico. L'euro è un fattore di liberalizzazione dei marchi mondiali. In ogni momento storico, a chaque moment historique, bisogna capire qual è il nodo centrale. Il faut comprendre quel est le nœud central. Dove si coagulano tutte le contraddizioni. Là où se coagulent toutes les contradictions. L'euro è uno di questi nodi. L'euro e i trattati europei. E l'euro è un di ces nœuds. L'euro è insieme il punto di forza e il punto di debolezza dell'accumulazione capitalistica in Europa. Una forza che vuole difendere i lavoratori non può prescindere dall'euro. Oui. Une force qui veut se défendre les travailleurs ne peut pas se faire abstraction della questione dell'euro, puisque c'est à la fois le point fort et le point faible de l'intégration. Prescindere dall'euro, non può prescindere. Pour ce qui concerne donc la question, on n'a pas répondu non plus, c'est-à-dire c'est très bien de nous dire qu'il faut faire une lutte au niveau international, mais on n'a pas le commencement du début de l'esquisse de quoi que ce soit qui pourrait ressembler à une base de rapport de force qu'on pourrait activer. Donc on n'a pas d'autre choix à l'heure actuelle que de le faire de manière nationale. Ça, c'est mon opinion personnelle. La sua opinione è che non abbiamo altra scelta che fare a livello nazionale, perché non c'è. C'est mon opinion. Voilà, tu es d'accord. Elle a son opinion. D'accord, voilà. Donc on est d'accord là-dessus. Et je t'invite à conclure. Tu peux lui proposer de. Io innanzitutto ringrazio Americ Monville, la libreria Tropic. Ringrazio tutti voi per essere intervenuti. Vi invito a leggere il libro e nel caso a rivolgervi successivamente anche domande via mail. Et je vous invite à acheter le livre et m'envoyer des questions par mail si ça vous. Alors, pour ce qui est d'acheter, donc merci, bravo. Al traduttore. Bravo, traducteur, oui. Et bravo, public. Bon, alors. Pour...